Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment faire pour multiplier un nombre par 10. Prenons le nombre 6. 6, c'est 6 unités. Si je le multiplie par 10, ça veut dire que je vais prendre 10 fois chacune de ces 6 unités. Ça va me faire 6 paquets de 10. 6 paquets de 10, c'est aussi 6 dizaines. Si je prends le tableau de numération, je place les 6 unités. Quand je les multiplie par 10, ces 6 unités vont devenir 6 dizaines. Je place le 0 dans la colonne des unités. 6 dizaines, c'est donc 60 unités. 6 fois 10 égale 60. Maintenant, c'est à toi de t'entraîner. Calcule 3 fois 10. Place 3 dans le tableau des unités. Les 3 unités vont devenir 3 dizaines. Je mets 0 dans la colonne des unités, ce qui me donne 30 unités. 3 fois 10, donc égal à 30. Maintenant, calcule 15 fois 10. Je place 15 dans le tableau de numération. 15, c'est une dizaine et 5 unités. Les 5 unités vont devenir 5 dizaines et la dizaine va devenir une centaine. Je place ensuite le 0 dans la colonne des unités, ce qui me donne le nombre 150. 15 fois 10 est donc égal à 150. Dernier calcul, 230 fois 10. Je place 230 dans le tableau de numération. 230, c'est 2 centaines, 3 dizaines. Le 0 des unités va se déplacer dans la colonne des dizaines. Les 3 dizaines vont devenir des centaines. Et les 2 centaines vont devenir des unités de 1000. Ce qui va donner le nombre 2300. 230 fois 10 égale 2300. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Si tu l'as aimé, tu peux me le dire en mettant un pouce bleu. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour être averti de nouvelles vidéos. À bientôt !